Le voisin à la bouchère à son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence est comme en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence est comme on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment c'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire, le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien.